Alors nous sommes arrivés Daf Kouf Lamed Bet de Bava Batra, Kouf Lamed Bet pour le Shabbat 9 Sivan. Alors on était arrivé donc à la quatrième ligne dans la réponse. On va juste rappeler la question. Rava donc a posé la question Bevari et Ach. On avait parlé donc de plusieurs cas où lorsqu'un homme, donc un mourant, il dit je donne tous mes biens à sa femme. On a dit, c'est sûr que c'est pas pour déshériter les autres, mais c'est pour essentiellement la nommer tutrice de ses biens. Par contre, s'il dit à Aher, il donne tous ses biens à quelqu'un d'autre, ça c'est maintenant plutôt que tuteur. Et après, donc, on a dit que si un homme il dit à sa femme fiancée ou à sa femme divorcée, là aussi on a dit, ça c'est maintenant, parce qu'il va pas les nommer tuteur dans ce cas-là. Et on a posé la question à propos de Bad et Tzelabani, Michel et Tzelahi, Michel et Tzelabani. Et on a donné la réponse de Rabina dans Rav Ravina. Maintenant, Rabba pose dans ces cas-là où on a dit que lorsqu'on écrit tous les biens à la femme et on a dit c'est plutôt pour la nommer tutrice, est-ce que Bishrim Merahoud et Nechalid et les Samanmilla, c'est seulement parce que le monsieur était mourant et donc il a voulu faire ça pour que les enfants ils écoutent la femme après la mort du monsieur. Mais s'il était en bonne santé, alors là, dans ces cas-là, on dirait c'est une matana, il a déshérité les autres. Ou bien, même Barry aussi, c'est la même, il voulait dire qu'elle soit tutrice. Ça, c'est la question de Rava. Ma réponse à Shema. C'est marqué dans une breta. Lorsque, à côté, Perot Nechassam l'Eshto, un homme, il écrit, par exemple, donc, Matakado, il donne les biens, les Perot Nechassam, les fruits de ses biens à sa femme. Dans ces cas-là, Goba Ketubata Menakaka. Donc, ces fruits-là, c'est un cadeau. Si lorsque le mari il meurt ou il va la divorcer, Saktouba la prendra donc du terrain ou des biens, même lorsque il lui a donné ses fruits de ses biens auparavant. Maintenant, les Mersal et Chali sur la vie, hein. Si ce monsieur il écrit que sa femme, donc il donne la moitié des fruits, le tiers ou le quart de ces fruits-là à sa femme, comme cadeau, dans ces cas-là, Gova Ketubata Menachea, si il arrive que le mari meure ou la divorce, Saktouba la prendra du reste, c'est-à-dire la moitié, le tiers ou le quart des fruits qui restent encore pour Saktouba. Maintenant, la Gemara a dit Katab konechasav l'eshto. Si un homme, il a écrit cadeau tous ses biens à sa femme. Et après, Véasa alav shtarhov. Après, il est sorti donc un shtarhov, une dette. Que les biens qu'il a donnés à sa femme, ils sont donc hypothéqués pour cette dette-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Rabbi Eliezer tikra matanata v'tamoda ketubata. Rabbi Eliezer dit pour le bien de la femme, elle va déchirer ce cadeau parce que le cadeau il lui a fait après qu'ils soient mariés et la dette il a faite aussi après qu'ils soient mariés, mais avant de donner ce cadeau. En fait, il y a d'abord le mariage et donc la ktouba, qui normalement le mari doit payer à sa femme et que normalement donc tous ses biens ils sont assujettis à cette ktouba, asservis à cette ktouba. Ensuite il a donné, il a contracté une dette et ensuite il vient donner cadeau de tous ses biens à sa femme là. Rabbi Eliezer dit tikra matanata, elle doit déchirer sa matana, c'est-à-dire elle se désengage. Comme ça au moins betamoda ketubata. Au moins, après, puisque la ktouba, elle est antérieure à la dette, alors c'est sûr que la ktouba, elle va pouvoir la prendre, cette femme-là. Maintenant, Mahachamim Omrim, Tikra ketubata, v'tamod al matanata, v'nimset kalahat mekan ou mekan. Hachamim disent, on va pas selon l'appréciation de la femme, mais comme lui, il a donné tous ses, donc ses biens. Alors, dans ces cas-là, c'est bien. Alors, du coup, la femme, elle a préféré le cadeau et donc elle a laissé tomber la ktouba. Et puisque maintenant, il y a une dette qui vient saisir ses biens, donc le monsieur lui a donné un cadeau, elle se trouve qu'arahat mekan ou mekan, donc la femme, elle est complètement dévalisée, ni de son cadeau, ni de sa ktouba. Et Amar Rabbi Yehuda Nartoum. Eh bien, Rabbi Yehuda le Nartoum dit, mais il y avait effectivement une histoire comme ça. Et là, Davad Bebat Ahoti Kalla, ça s'est passé avec la fille de ma sœur, qui s'est mariée, et qui a eu la même chose.
ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, תקרא כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קלחת מכאן ומכאן. Donc justement, les חכמים ont donné la même chose, la même décision. Donc cette tubata, elle la déchire puisqu'elle a été donc effacée par le cadeau. Mais maintenant qu'il y a la dette, ce monsieur qui va saisir ses biens, et donc cette femme va se trouver, qalahat, donc elle est vide de l'un de sa tuba et aussi de son cadeau. Viens la Gemara maintenant raisonner. Tamadi asa'alaf sadhu. Quand on a dit maintenant que lorsqu'il a donné donc tous ses biens à cette femme-là, et après, elle les perd parce qu'il y a eu un shtarhov derrière cela. Mais s'il n'y avait pas ce shtarhov, s'il n'y avait pas cette dette, donc la femme, elle acquiert ce cadeau qu'il lui a donné. Et donc quelqu'un en parle ici, quand le monsieur il a fait cadeau à cette femme-là. Est-ce qu'il était, il est ma bishrim mera, si tu me dis que le monsieur il était mourant, ça ne peut pas être là. Pourquoi? On a déjà vu auparavant. Quand un mourant, il lègue tout ses biens à une femme, à sa femme, c'est parce qu'en fait, il veut la nommer tuteur pour ses enfants. Or, ici, donc, quand on a dit, on a fait la déduction que s'il n'y avait pas la dette, alors la femme, elle aurait acquis ses biens, et la lave des valets. On est obligé de dire qu'on parle donc d'un bari, d'un homme qui était en bonne santé, et dans ce cas-là, le mari qui est en bonne santé lègue des biens à sa femme, ce n'est pas en tant que tuteur, mais c'est pour une acquisition comme un cadeau. Et donc, on répond à cette question de Rabat en disant que c'est comme ça. Si l'homme, il est mourant, il lègue aussi bien sa femme, dans ces cas-là, on a dit qu'en fait, il veut la nommer tuteur, tutrice pour les biens de ses enfants. Mais s'il lui donne cela quand il était encore en bonne santé, alors ça, c'est un cadeau qu'il veut lui donner. Via l'agma, elle repousse cette réponse. Je peux te dire, en fait, il s'agit d'un shrimera, donc d'un mourant. Ah, tu me dis, mais pourtant, nous, on a dit là-bas que c'est un apotropos. Alors, l'agma dit, moi, je peux te répondre, quand est-ce qu'on a dit que c'est apotropos? Comme l'avavela, il a dit, c'est dans tous, la femme à la guerre, sauf Aïcha, c'est la hainchas bin Abbaal. C'est-à-dire, il s'agit ici de la femme avec des frères ou la femme à côté des enfants du mari, ou Rav Avira, il a dit que la femme n'acquiert pas. Et Ravina, Mokela Bessoa, Sobestu Gerusha. Et Ravina, il te dirait lui. Donc, quand Ravina, il a répondu donc, dans le cours précédent qu'elle n'a pas acquis la femme, ce n'est pas un Kinyan, ce n'est pas Apotropo, sauf Ishtoa Sogadusha. Alors ici, quand on a dit Kanya, parce qu'elle est Ishtoa Dusha, Ishtoa Gerusha. Amar Rav Yosef Bar Menoumi, Amar Rav Nachman. Il vient à Rav Yosef Bar Menoumi. Il dit au nom de Rav Nachman, Halakha, Tekra Ketubata, Vetamod, Al Matanatan, M'set Kalahad Mekan, Mekan. Donc, au nom de Rav Nachman, on nous dit ici que l'Halakha, effectivement, que quand un homme il donne tous ses biens à cette femme-là, et qu'après ils sont une dette derrière ça, la femme, elle perd tout, aussi bien sa Ketuba et sa Matana aussi, elle se trouve donc dévalisée de tout. Viens avec moi à poser une question. Et même là, est-ce qu'on va dire de la Zir Abnahman Batanum Dana? Est-ce qu'on va dire qu'Abnahman ne va pas selon l'appréciation? Puisque nous, si on prend l'avis de Rabbi Eliezer, il dit, on évalue normalement, lorsque ce mari, il a donné si bien à cette femme. La femme, elle, ça dépend en fonction de la suite. Si elle voit qu'il y a une dette qui arrive, elle préfère laisser tomber le cadeau. Garder sa ktouba, et la ktouba était antérieure à la dette, alors dans ces cas-là, on ne lui apprend pas. Comment tu me dis, si Rav Nachman, on ne va pas selon l'évaluation, selon l'appréciation, la logique. Pourtant, nous, on a vu, Vihatania, Rav Nachman lui-même, il dit comme ça. Dans la Breta, c'est marqué, Hare, Sha'alar Beno Limdina Taya. Voilà, monsieur, il avait un fils. Il est parti donc voyager dans la mer, par voie de mer. Et Shama Shemet Beno. Et le monsieur, il a entendu que son fils, il était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Amad Vikatab Konechasav La Harim. Du coup, le monsieur, il a écrit ses biens à d'autres. Mais non, Vahakarba Benom. Maintenant, le fils, il revient. La Tanakama, il dit Matanato Matana.
Cette matana qu'il a donnée aux autres, déjà, elle est définitive, c'est terminé. Mais Rabbi Shimon ben Menasseh, lui, il est cholek. Rabbi Shimon ben Menasseh, il dit non. Omer, et matana to matana. Rabbi Shimon ben il dit pas du tout. Le cadeau qu'il a fait aux autres, c'est parce qu'il croyait que son fils était mort. S'il savait que son fils était vivant, il n'aurait jamais donné ce cadeau à d'autres. Donc, du coup, le cadeau, il est nul. Et justement, c'est là où on voit que Rabbi Nachman dit, la logique veut, parce que ce qu'il dit, c'est logique. Alors là aussi, comment tu dis que Rabbi Nachman dit que la femme, elle perd des deux côtés. Si on va selon la logique, la femme, elle serait plutôt favorable à laisser tomber le cadeau et garder sa ktouba. Et la ktouba, elle est antérieure à la dette et elle ne perdrait rien du tout. Alors comment ça se fait qu'on a dit qu'Arab Nahman il dit à la khal comme quoi elle est vide de tout, aussi bien de ses ktoubats, de son cadeau aussi. Alors bien l'agma adishan et atam on répond, c'est pas pareil. Effectivement, Arab Nahman il dit on va toujours selon la logique. Mais ici la logique veut des nehala, des tepok ala kala de khadvin honeh la lihen hun khasim. Il dit parce que là aussi la femme, elle est favorable à ce que les gens ils disent que monsieur, son mari lui a écrit c'est bien pour elle, alors c'est une façon de dire que cette femme le mari il a confiance en cette femme-là, elle est importante à ses yeux. Donc ça aussi c'est une umdana, c'est une logique de dire que cette femme elle accepte donc plutôt d'accepter le cadeau et de laisser tomber sa ktouba, même si après, à cause de la dette, elle va perdre aussi ce cadeau. Nanatam, la Gemara nous ramène ici une autre Mishnah. C'est marqué. Akotev nechassav levanav, vechatav leishto kaka kolshehu. Abda ketubata. Ebeda ketubata. C'est comme ça. La Mishnah dit donc, si un monsieur qui est mourant, il a écrit ses biens à ses enfants, il donne ses biens à ses enfants, et aussi, il a écrit à sa femme, kaka kolshehu, il a donné un terrain. Mais il n'a pas dit est-ce que ce terrain c'est cadeau ou c'est pour la ktouba donc qu'il lui doit. La Mishnah a dit Ebeda ketubata. Cette femme, elle a perdu sa ktouba. C'est-à-dire, elle ne pourra plus prendre la ktouba donc des biens que le monsieur a donné à ses enfants. Ce terrain, c'est lui sa ktouba. Alors, la Gemara a dit comment Mishum tekatavla kaka kulshu ebeda ketubata. Parce qu'il lui a donné un petit terrain de rien du tout. Alors, tu vas me dire qu'elle a perdu sa ktouba. Alors, la Gemara répond, oui. Amar Rav Mzakeh Lahen Al Yada. Rav, on a ici trois réponses, trois avis différents. Pourquoi dans ce cas-là, on accepte que la femme, elle perd sa ktouba? Parce que Rav, il dit, en fait, c'est elle, Mzakeh Lahen Al Yada. Le monsieur, le papa, quand il a donné à ses enfants, il a utilisé donc le foulard de la femme pour faire zikoui à ses enfants. Sous Qinyan, il a fait Qinyan grâce à la femme. Shmuel, il a dit, on parle ici d'un cas où le père, il faisait comme ça, le partage de ses biens. Et la femme, elle est là. Et elle dit rien. Si elle dit rien, Rabbi Yossi, Balabi Hanina, Et Rabbi Yossi, Balabi Hanina, lui, il dit, là, on parle dans, même si elle n'était pas présente, parce que nous, on a dit, soit il lui a donné son soudeur, selon Rav, soit elle était présente, elle n'a rien dit, selon Shmuel. Rav, il s'est dit, même si elle n'était pas là. Dans la mesure où il lui dit, prends ce terrain pour toi, pour ta ktouba, et elle dit rien, elle n'a pas, elle s'est pas opposée. Machemar que, elle n'accepte que ce terrain, et du coup, les autres biens, elle ne peut plus rien prétendre. Et là, moi, a dit, on met pour les ktouba, chanoukan. Et là, ça fait partie des choses, de mirkoulé ktouba, c'est-à-dire on est plutôt cool, on est plutôt souple dans la ktouba, c'est-à-dire que, pas comme dans les dettes où on est beaucoup plus exigeant, là, comme ça, avec rien du tout, on dit que la femme, elle a perdu sa ktouba. Voilà donc ce que la Mishnah nous ramène là-bas, donc, dans Péa. Maintenant, la Gemara dit, Tnan, si on regarde la suite de la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Im Kibela Aleha, Afal Pishlo Katavla, Ibbeda Ketubata. Rabbi Yossi dit comme ça. Si la femme, Kibela Aleha, elle a accepté clairement
quand il a distribué les autres biens à ses enfants, il lui a donné ce petit terrain. Afal pi shelo katav la, même s'il lui a pas donné un terrain à elle, et beda ketubata. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yossi. Maintenant, l'agma dit Mikelal. Si on dit que Rabbi Yossi dit, même s'il n'a pas écrit, et elle est ibda ketubata, elle a perdu sa ketuba, Mikelal dit Tanakama, ça va, quitte pas le kebela. Bye. Et donc, Tanakama lui pense, non, il faut qu'il lui écrive un petit peu de terrain et qu'elle accepte. Il n'y a que dans ce cas-là où elle a donc perdu sa ketuba. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que pour que la femme elle puisse pardonner sa ketuba, il faut qu'il lui écrive et qu'elle accepte. Alors, comment nous, on a dit dans les trois cas précédents, selon Rav et Shmuel et selon Rabbi Yosef Rabbi Hanina, même sans qu'elle ne dise rien du tout, eh bien, elle est mohelet sur le reste des biens et elle prend le petit morceau de terrain qu'il lui a donné en tant que ketuba. Ah, Bichitima Kola Rabbi Yossi, si tu me réponds non, tu sais, la Mishnah là-bas, c'est tout Rabbi Yossi qui a dit ça. C'est-à-dire, dans la Risha, s'il lui écrit n'importe quel terrain, Abdaktobata, elle a perdu le reste d'Aktobat. Et dans la Sefa, que c'est la Mahala Beferouche, c'est-à-dire, elle a pardonné clairement, même s'il n'a pas écrit, eh bien, aussi elle a perdu Aktobat. Si tu me dis que tout ça, c'est Rabbi Yossi, bien, Tania, pourtant, il y a un Breta qui dit, Ama Rabbi Yuda. Et Mata et Rabbi Yehuda dit comme ça. Quand est-ce que Tanakama il a dit qu'elle perd sa ketouba seulement chez Hatashem Bekibela Aleha? Seulement quand elle était là-bas et elle a accepté. Aval Hatashem Bekibela Aleha. Mais si elle était là-bas et qu'elle n'a pas accepté. Ou Kibela Aleha Bilo Hatashem. Ou bien elle a accepté mais n'était pas là-bas. Lo Ebda Ketubata, dans ce cas-là, n'a pas perdu sa ketouba. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il faut bien qu'il y ait aussi bien qu'il lui écrive et qu'elle est mohalet. Il n'y a que dans ce cas-là où Abdektubata. Alors la maadit, yuvta, decholehu. Il y a donc une objection contre les trois réponses qu'on a données tout à l'heure de Rav et de Shmuel et de la Bessev et de Hanina. La maadit, effectivement, yuvta, il y a une objection. Amal et Rabal et Rav Nahman. Il vient à Rabba et il dit à Rav Nahman. Il lui dit, Harab. Ha Shmuel, ha Rabbi Yosef Rabbi Hanina, mort ma esvedale. Il dit voilà, on a l'avis de Rav qui a dit, c'est parce que la femme, elle a permis, elle, l'acquisition de le Kinyan que le père a fait à ses enfants, et c'est elle qui leur a fait faire. C'est pour ça qu'elle perd sa ketouba. Shmuel a dit non, parce qu'elle était là, elle a rien dit. Et enfin, Rabbi Yosef, il a dit non, il a dit, lui, que même si elle n'était pas là-bas, ça marche. Elle dit, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Comme qui tu penses, toi? Amalé, il lui répond, Rav Nahman. Shani Omer, qui va chez Asa Ashutaf bin Habanim, Ebda Ketubata. Eh bien, il dit, moi, je pense, c'est seulement parce qu'il lui a donné un morceau de terre comme les autres, eh bien, c'est pour ça qu'elle a donc Mohelet et qu'elle a perdu sa ketuba. Et mon ami, l'agma a dit, effectivement, il a été enseigné. Amar Rav Yosef Bar Menoumi, Amar Rav Nahman. Il a dit, Rav Yosef Bar Menoumi, au nom de Rav Nahman. Kevan sha'asa'a shutaf ben abanim ebdaktubate. C'est parce que, quand il lui a donné un morceau de terrain pour elle, donc, elle était associée avec tous les enfants dans le partage. C'est pour ça qu'elle est mohanet et qu'elle a perdu sa ktouba. Bah, Rava, maintenant Rava, il vient poser la question. Tout ce qu'on a dit maintenant, encore une fois, on a dit, lorsqu'un monsieur il a écrit tous ses biens à ses enfants, c'est un mourant, il a laissé un morceau de terrain à sa femme. D'accord? Et on a répondu, selon Norman, comme quoi, comme elle était choutaf, associée avec les autres, donc elle a acquis sa morceau de terrain, elle a perdu sa ketouba. Il dit, quand il s'agit d'un homme en bonne santé et qui donne tous ses biens à ses enfants, il donne un morceau de terrain à sa femme. Comment c'est le din? Est-ce que quand il est mourant, cette femme elle sait qu'il n'a pas d'autres biens et donc quand elle a accepté, elle est mohelet, sous-entendu
Sous-entendu, Aval Bevari, mais s'il est en bonne santé, Savra Adalkrani. S'il était en bonne santé, donc elle n'aurait pas accepté. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, ben même s'il ordonne maintenant, lui, il va encore, elle va encore gagner d'autres, enfin, assez de terrain. Et donc, de là-bas, je vais prendre donc mes biens. Donc, si c'est un bari, on ne peut pas dire qu'elle est mohalet. Ou dit, mais je t'ai mis à l'idlé. Ou bien, on va dire, non, de toute façon, maintenant, il n'y a pas, il n'y a que ça. Et aussi, elle est mohalet. Et moi, dit-il, puisqu'elle n'est rien, elle est mohalet. Est-ce qu'on va dire, quand il est bari, on considère que la femme, elle est mohalet ou elle n'est pas mohalet? Et moi, dit-il, on n'a pas de réponse. Et la Gemara nous ramène ici un fait. Aoud et Amal, il y avait donc justement un mourant, un monsieur qui est en train de mourir. Il leur a dit comme ça. Palga livrat. Ou falga livrat. Ou teta l'état beferi. C'est un monsieur qui a donc un terrain. Il a dit la moitié du terrain pour une de mes filles. L'autre moitié pour ma deuxième fille. Et pour le tiers des fruits, c'est à sa femme. Alors, l'Agmara se pose la question, comment on fait dans ce cas-là? Et là, l'Anahman, les Sura. L'Anahman, il est arrivé à Sura. Roule les gabé, Rav Hasda. Il est venu chez lui. Rav Hasda. Amali, Kayak, Banamai. Il lui dit, alors, comment on fait dans ce cas-là? Alors, l'Agmara lui répond, il lui dit, Amali lui a répondu, Hari Amal Shmuel, Afelulukna la la diklaha de ferota ou avda ketubata. Il dit, au nom de Shmuel, on a dit que même si le mari, il lui donne à la femme que diklahad, un seul palmier pour les ferota, donc c'est-à-dire pour les fruits de ce palmier seulement, eh bien, avda ketubata, elle a perdu sa ketuba. Et donc, là aussi, étant donné qu'il lui a donné le tiers des fruits, alors, ça y est, elle a donc perdu sa touba. Alors, Amal, l'autre, il oppose, il dit, comment, c'est pas pareil, pourquoi? Et moi, Amal, Shmuel, Hatam, Dirnela, Begoufa, Dara, Achapela, Hu. Alors, il lui dit, mais là-bas, quand Shmuel, il a dit qu'il lui a donné un palmier pour ses fruits, il a quand même donné le palmier avec la terre qu'il y a dedans. De tout le temps que le palmier donne des fruits, c'est pour elle. Donc il y a quand même un morceau de terrain. Mais ici, il n'y a que des fruits seulement. Amale metate kamrat, metate badai la kamina. Il dit quoi? Tu parles ici qu'en fait il lui a donné des fruits, c'est-à-dire des fruits déjà cueillis. Ça c'est sûr, je ne parle pas de ça. Et donc c'est sûr que dans ce cas-là, la femme elle n'est pas mohelle. Et là, on nous ramène encore à notre cas. Aoud Amalehu. Voilà un cas où le monsieur, le mourant, il a dit Tlat levrat, utlat levrat, utlat etat. Il avait donc un terrain. Il a dit, je donne le tiers de mes biens, de mon terrain à ma fille, l'autre tiers à ma deuxième fille, et le troisième tiers à ma femme. Et là, on raconte Shriva Hadam Ibnate. Maintenant, une de ses filles, elle est morte. Alors, ça va la papi les mémar, la chakla la teta. La papi, il a pensé dire, puisque maintenant il a donné déjà le tiers à la femme, même si la fille, une des deux filles, elle est morte, la femme ne peut prendre que le tiers comme il lui a déjà promis, et qu'elle a été mohelet sur le reste de la touba, elle ne prend que ça. Amale Rav Kahana, il vient Rav Kahana lui dit, il le hadal khani, mais la chakla. Birman dit, il le hadal khani, chakla, c'est un ami chakla. Rav Kahana lui dit, attends, je comprends pas. Si ce monsieur, quand il a partagé ses biens un tiers, un tiers, un tiers, imaginons qu'il achète encore d'autres biens. Est-ce que la femme ne va pas prendre des autres biens? Bien sûr que oui. Alors là aussi, c'est pareil. Puisque ici, quand la fille, elle est morte, là, les biens, ils reviennent chez le père. Alors, non, mais aussi, et la femme, elle va prendre aussi de cette partie de la fille qui est morte.
autant que le deuxième fils, comme il a fait le premier partage, et fera donc le deuxième partage.